Alors, le nom du challenge qui sera affiché. Alors, nom du challenge course. Le but du challenge, courir. Et l'info sur le challenge, par exemple, dépêchez-vous. Là, ici, il faut jamais mettre d'espace. Jamais. Mais ici, vu que c'est du string, du texte, vous pouvez laisser des espaces, mais faites attention quand même les caractères que vous utilisez. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut encore? Le nom de la quête, l'objectif pour la quête, et les dialogues, ça on a déjà mis, donc on va rajouter quête, quest. Alors, on va choisir un nom de quête. Ah ben voilà, c'est ça, c'est la quête. Ça, c'est le nom de la quête. Voilà, alors, on va éditer ça. Et name, ça, c'est vraiment le tiret d'en bas, et name, ça c'est vraiment, il faut, c'est impératif, il faut laisser comme ça. Et desk aussi, c'est la description, mais c'est hardcodé, c'est codé en dur dans le jeu, donc ça il faut vraiment, ça va donner le nom. Et ici je mets objectif, mais ça c'est pas hardcodé, mais ça on peut l'utiliser. Mais on a déjà l'objectif ici en fait. Challenge Games, objectif. Allez parler à Ishan. Donc celui-là, on n'est pas obligé de l'avoir. On l'a déjà. Et maintenant, le nom de la quête. Alors, prenez un challenge, ouais, en français un défi, je suis bête. Prenez un défi et la description, allez, par. Et voilà, maintenant j'espère que c'est tout pour que le challenge fonctionne.